Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, je pense que ça va être peut-être la seule toile que je fais cette semaine. J'ai vraiment pas beaucoup de temps, là, je suis occupé, là, ça n'a pas de bon sens, mais je suis obligé de vous dire que oui, effectivement, comme on a déjà dit par le passé, c'est relaxant, puis je pense qu'en quelque part, ça nous prend presque ça pour décompresser. Faut-il encore le faire de façon décontractée? Là, par contre, je suis obligé de vous dire que c'est pas la méthode la plus décontractante. Hein? La méthode de la ficelle, c'est quand même assez laborieux, puis je vous dirais que ça peut être même un petit peu stressant parce qu'il faut avoir, faut y aller égal, puis il ne faut pas s'énerver. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une suggestion qu'une de nos abonnées nous a donnée, c'est-à-dire de mettre plusieurs couleurs sur une ficelle. Au préalable, l'idée de base, c'est qu'on avait déjà fait la dernière toile qu'on a faite, c'était blanc sur noir. Cette fois, ça va être noir sur blanc. Je pense que ça va être un beau contraste. Puis j'ai encore une fois trouvé une toile qui ne me sert vraiment rien. Puis c'est pour vous prouver encore une fois qu'on peut recycler même par-dessus une toile qui a été vernie, parce que c'est une toile que j'avais vernie. Mais c'est un vernis pour l'acrylique. Fait qu'il n'y a aucun danger, vous pouvez toujours repasser par-dessus. Vous pouvez même apporter des corrections si vous voulez corriger certaines choses une fois que vous avez mis votre vernis sur votre travail. Cette fois, comme je vous dis, à la suggestion d'une des abonnées, on va mettre plusieurs couleurs sur une ficelle. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'étais curieux. Aussitôt qu'on m'a dit cette suggestion-là, ça m'interpellait, puis je voulais vraiment l'essayer. Alors, c'est ce qu'on va faire, et puis on va voir ce que ça donne. Allons-y! Thank you.
c'est réussi. Écoutez, je touche, vous avouez par contre, encore une fois, hein, comme tout ce qui est de l'art, c'est subjectif. Je suis obligé de vous avouer que malgré que c'est très très joli, mon épouse le préfère, elle l'aime plus que moi, disons. Comme je vous dis, pas parce que j'aime pas ça, mais je trouve que cette fois, ça aurait été bien parce que je regardais au mur, le temps que je faisais cette technique, je regardais au mur celle qu'on a fait la dernière fois qui était à la ficelle blanche sur un fond noir. Je trouvais que ça aurait été bien puis ça aurait fait un beau match. Avoir fait noir sur fond blanc. Hein? Je trouve, de toute façon, on peut le faire pareil, mais c'est ce qui me fatiguait un petit peu d'aller avec la couleur. Quoi qu'il en soit, c'est très beau, mais je vous dis tout de suite, faites pas ça pour relaxer, parce que c'est vraiment pas relaxant. On trouve toujours, hein, que quand on est animé par la passion de la peinture, et puis qu'on est un petit peu excessif sur les détails, ben, je trouve juste de vous dire qu'on peut y aller assez longtemps. Ça m'a pris, je suis obligé de vous avouer, un petit peu plus qu'une heure. Ça n'a l'air de rien une heure, là, mais une heure debout à tremper vos ficelles, et puis à corriger, puis à mettre les couleurs, puis j'ai été obligé de refaire un petit peu de noir, puis c'est assez laborieux. Quoi qu'il en soit, le résultat est bien, mais non, je n'ai pas vraiment relaxé. Je n'ai pas vraiment relaxé du tout. Mais oui, encore une fois, comme on dit, c'est toujours subjectif, mais je trouve que c'est intéressant. C'est une technique qui est appelée, qu'on peut explorer un petit peu plus. Il y a tellement de différentes façons, hein, d'y aller. Je suis obligé de vous dire que, par exemple, c'est très salaud. Hein? Là, j'en ai fait du dégât, là, pas à peu près. Il y en a à terre, il y en a partout. Ça me fait penser au spinning, hein, avec la table tournante, quelque chose comme ça. C'est peut-être pas à ce point-là, là, mais c'est spécial. Non, elle est belle. Bon, regarde, on va rester ça comme ça, là. C'est très beau. Oui, mon épouse l'aime un peu plus que moi. C'est pas parce que je l'aime pas. C'est parce que je partais dans l'idée, oui, je voulais faire cette technique qu'on m'avait proposée, mais je partais dans l'idée de celle que je vois au mur, là, blanche sur blanc. Mais bon, ça ne nous empêche pas de le faire dans une prochaine fois. Alors, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère, évidemment, que vous allez l'essayer. Mais comme je vous dis, là, faites ça quand vous êtes vraiment, là, vous êtes prêt à l'attaque, parce que c'est pas de tout repos. Alors, s'il vous plaît, les amis, comme d'habitude, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.